Docteur Farid Benhamdine, bonjour. Bonjour. Alors nous abordons ce matin la politique du médicament, la production nationale, des objectifs sans tracés, atteindre 75% de la production nationale. Est-ce que c'est possible et comment faire? Ou alors on est dans des effets d'annonce? Ben, je vous remercie de m'avoir invité. Effectivement, on parle toujours de ce fameux pourcentage. Bon, l'idéal, 75% est un but à atteindre. Donc, actuellement, nous sommes aux environs de 45-48%. Oui, si on met tous les moyens, mais enfin, ce n'est pas une affaire de pourcentage, c'est une affaire de qualité, d'abord, de produits, de survie, que les laboratoires puissent survivre, que le citoyen soit correctement approvisionné, que le médecin, le prescripteur trouve à sa disposition tous les produits nécessaires. C'est ça qui est important. Maintenant qu'on soit à 60, 65, 70%, c'est important, mais ce n'est pas ça le but essentiel. Alors actuellement, nous sommes à peu près, ou nous avons 80 entreprises qui sont en activité, 151 sont en projet et qui ont eu des agréments provisoires. Mais est-ce qu'on ne risque pas d'être en surcapacité de production aujourd'hui quand on sait que certains pays réalisent 75% de leur production avec seulement 30 grandes entreprises dans le domaine du médicament? Eh bien, écoutez, vous avez résumé un peu la situation. Nous sommes déjà en surcapacité puisque la plupart des unités tournent à 40, 45%, 50% dans le meilleur des cas de leur capacité. Donc nous sommes déjà en surproduction. Il faut savoir que quand même le marché algérien n'est pas extensible à l'infini. Nous avons à peu près 3 milliards 600 millions de dollars de budget consommé. L'importation représente un peu plus de la moitié, c'est-à-dire environ 1,9 milliard de dollars. La production, 1,7 milliard de dollars. Et c'est là que tout se situe. Ça, c'est pour en quantité. En quantité, il faut savoir que sur les 730 millions de boîtes qui sont vendues, 400 millions de boîtes sont fabriquées en Algérie. Donc c'est plus au niveau de la... en volume, nous sommes plus que 50%. Donc tout dépend de quoi nous parlons. Si nous parlons en volume, nous risquons d'atteindre les 70%. Puisque déjà nous sommes à plus de 50%, nous sommes presque à 55% au niveau volume. Donc pourquoi pas? Alors je vais vous poser la question sur les 80 unités qui existent. Oui, c'est un bon chiffre. Effectivement, le Maroc arrive à fournir avec une trentaine d'usines 65 à 70% de ses besoins. Donc c'est parfait. Donc nous, que devons-nous faire maintenant? Est-ce qu'il faut orienter ces producteurs, ces projets, et comment les orienter? Mais justement, c'est la question qu'on va poser. Alors, on risque d'être en surcapacité de production. 750 millions de boîtes sont commercialisées. Mais la volonté aujourd'hui, c'est de produire et à la fois de réduire la facture d'importation qui s'évalue à 1,9 milliard de dollars. Est-ce qu'entre les deux, on doit trouver le juste milieu? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire selon vous? Eh bien, pour moi, il est urgent que nous créions une structure, les autorités créent une structure qui puisse servir d'information, d'orientation de toutes ces unités. Et cela ne dépendra pas seulement du ministère de la Santé, il faut que le ministère de l'Industrie aussi intervienne. Et puis, n'oublions pas que ces gens-là ont besoin d'être orientés, parce que c'est bien d'avoir l'envie d'investir dans son pays, c'est même extraordinaire, mais il faudrait aussi que ce ne soit pas un investissement qui finisse avec des banqueroutes ou des faillites. Donc il est urgent que nous mettions en place cette structure en Algérie. Mais orienté comment? C'est vers la diversification? Absolument, la diversification des produits, la diversification des formes. Pourquoi tout le monde doit faire des formes sèches? Pourquoi tout le monde doit faire des gélules, des comprimés? Pourquoi tout le monde doit faire des sirops? Pourquoi ne pas aller vers les ampoules, vers les injections? Pourquoi ne pas aller vers les collyres? Pourquoi ne pas aller vers les pommades ophtalmiques? Pourquoi il y a encore toute une gamme de produits? Donc il faut le choix des produits dans la forme et le choix des formes. Et là, il faut orienter. Il est vrai qu'il n'existe pas actuellement une structure qui oriente cet investissement, pour canaliser cet investissement, pour rentabiliser cette maison, dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de l'investisseur et dans l'intérêt du malade, bien sûr. Mais le médicament, c'est un secteur hautement technologique également. Est-ce qu'on doit orienter vers la recherche parallèlement? On doit la développer impérativement pour pouvoir mettre en place toute cette politique de médicaments? Absolument. Mais je pense qu'avant d'arriver à la recherche, il faudrait qu'on forme déjà les gens qui travaillent dans ces usines. Puisque nous parlons de la production. Nous n'avons pas de personnel formé, spécialisé dans la maintenance, au niveau des ateliers, au niveau des machines, au niveau, etc. Nous n'avons pas. Donc là, il faut absolument, d'abord, avant d'arriver à la recherche, développer cette tranche
qui est indispensable dans toute industrie et dans l'industrie pharmaceutique en particulier. Donc il faut absolument améliorer, lancer la formation, parce que la plupart du temps, ce sont des gens qui sont formés sur place au niveau de l'usine, par le propriétaire de l'usine, par des spécialistes qui viennent souvent de l'étranger, etc. Donc il est urgent. Est-ce que c'est le ministère de la formation professionnelle qui doit s'en charger? Est-ce que c'est le ministère de la Santé? Est-ce que c'est le ministère de l'Industrie? Je ne sais pas. Bon, la logique serait que ce soit le ministère de la formation professionnelle. Donc il faut absolument qu'il y ait des ponts immédiatement et le plus tôt possible pour avoir du personnel qualifié. Ensuite, nous arriverons effectivement à la recherche. Bon, et la recherche, c'est vrai que rien ne peut se faire sans l'État, mais l'État ne peut pas tout faire. Il faut absolument qu'il y ait des centres de recherche et des recherches. La recherche doit être financée en grande partie par le privé, par ces industriels, entre autres les industriels de la pharmacie en particulier. Pourquoi? Parce que il faut beaucoup d'argent, il faut du matériel spécialisé, il faut des formations à l'étranger, il faut ramener des formateurs. Et tout cela, l'État ne peut pas assumer tout cela seul, ce n'est pas possible. Donc partout dans le monde, c'est des structures privées, des investisseurs qui investissent. Et bien sûr, quand il y a une découverte, et ben, les gens payent et récupèrent leurs royalties au niveau de ces découvertes. Alors actuellement, il y a 80 entreprises qui sont en activité, 151 sont en projet, qui ont eu leur agrément, on l'a indiqué à un moment. On dit qu'on va être en surproduction dans quelques années par rapport à la situation actuelle où nous répondons aux besoins de marché à hauteur de 40%. Dans deux ans, ça sera 75%, c'est l'objectif tracé par les pouvoirs publics. Mais certains disent que cette surproduction sera orientée vers l'exportation. Mais est-ce que c'est logique? Est-ce qu'on pourrait éventuellement, nous, concurrencer les grands laboratoires internationaux dans le domaine du médicament? Écoutez, non seulement on peut le concurrencer, mais la preuve existe, puisque nous avons déjà, il y a 15 producteurs qui exportent vers l'étranger, particulièrement vers l'Afrique. Donc ça veut dire que nos produits ont eu leurs autorisations mises sur le marché en Afrique. Mais, qui plus est, et cerise sur le gâteau, il y a même un laboratoire, et je vais le citer, Biopharm, qui exporte vers la France. Donc il a eu son autorisation de mise sur le marché d'un produit qui est passé par toutes les obstacles de l'Agence française de la sécurité des médicaments et qui a eu sa première commande. Et actuellement, donc Biopharm exporte vers la France. Donc ça veut dire que la qualité et la conformité sont aux standards internationaux. Donc il n'y a plus aucun... D'abord, il faudrait que nos citoyens et confiance en produits fabriqués. La preuve, c'est qu'ils sont des fabricants, et particulièrement dans des pays européens, où vous savez que tout est fait pour monter le standard au maximum, au plus haut, pour éviter justement que ce genre de transactions se fasse. Donc oui, il faut exporter, mais pour exporter, il faut aider ces gens. D'abord, il faut savoir que le médicament est le seul produit qui non seulement n'a pas augmenté en Algérie, mais qui a diminué. Bon, c'est-à-dire que c'est un secteur qui rentre dans toutes les espérances de l'État. C'est le seul produit, je répète, qui a diminué. Mais certains disent que le médicament, ou le secteur du médicament, fait l'objet beaucoup d'enjeux et beaucoup de lobbies au niveau national et international, monsieur Benhamdi. C'est normal, parce que c'est très sensible et il a un impact social important. Il nous faut d'abord une politique nationale des prix. Rapidement, il n'existe nulle part au monde une industrie qui s'est développée avec des prix très bas. Vous avez par exemple deux exemples de pays arabes. L'Égypte a joué sur la baisse des prix drastique, moralité, la qualité n'est pas bonne. La Jordanie a laissé la liberté au prix, ou en tout cas les prix sont plus étudiés. Et bien, non seulement elle exporte à travers le monde, en Algérie en particulier, elle exporte à travers le monde. Donc la qualité est importante et la qualité est liée au prix du médicament. Donc je demande à ce qu'on ne passe pas notre temps à faire baisser les prix de la production nationale, qu'on fasse diminuer les prix importés, je suis tout à fait d'accord. Mais qu'on ne passe pas notre temps à faire essayer de baisser le prix de la production nationale parce que c'est un moyen de l'étouffer et de ne pas lui permettre de s'épanouir à l'intérieur du pays et puis à l'export. Ensuite, il nous faut, si vous voulez bien, une politique nationale
à l'exportation. Alors, justement, une politique à l'exportation, on va en parler dans un tout petit moment, dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction, mais je voudrais revenir sur un chiffre, monsieur Belhamdine, en nous important pour l'équivalent de 1,9 milliard de dollars, c'est-à-dire 1,9 milliard de dollars de médicaments. Certains considèrent que nous sommes un pays des plus grands consommateurs dans la région et que nous gaspillons parallèlement énormément parce qu'il y a ce remboursement par le biais de la carte Shifa. Quel est votre commentaire sur cette question précisément? Ben, je ne suis pas d'accord sur les deux. Donc, premièrement, 1,9 milliard à l'importation, ce n'est pas beaucoup. Enfin, on parle de rationaliser budget. Oui, oui, on rationalise, oui. Bon, 3,6 milliards de dollars de médicaments, ce n'est pas beaucoup. Ça nous ramène à peu près à 100 dollars par tête d'habitant et par an, ou à 110, ça dépend comment on étudie. Ce n'est pas beaucoup, nous sommes dans la... Dans les normes régionales, il n'y a absolument pas de quoi s'affoler à ce niveau. Pour une petite idée, le sud de l'Europe, le moins riche, est à plus de 280 euros. Pas dollars, 280 euros. Je ne parle pas du nord qui sont à plus de 500 euros par tête d'habitant et par an. Donc il ne faut pas trop focaliser sur la facture. Là, c'est tout à fait normal. Nous avons une consommation tout à fait normale. C'est le médicament du cancer qui nous revient le plus cher? Le médicament du cancer revient plus cher partout dans le monde. Et parce qu'il y a des nouveaux produits, les produits issus de la biotechnologie, des produits biosimilaires, il sera le plus cher partout. Et il continuera à être plus cher. Et je peux vous dire qu'aucun pays au monde ne pourra satisfaire les besoins de sa population avec les produits issus de la biotechnologie. Si les produits ne baissent pas, aucun pays au monde ne pourra soigner tous ces malades. Mais les malades aussi augmentent parallèlement. En plus, c'est pour ça que je dis qu'aucun pays, le nombre de malades augmente parce que les moyens de dépistage, etc. existent. Ensuite, les produits ne cessent d'augmenter, en tout cas, ils ne baissent jamais, ils sont à des prix extraordinaires, qui sont d'ailleurs variables d'une région à une autre, d'un pays à un autre. Docteur Farid Belhamdine, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Nos 5 minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors, docteur Farid Belhamdine, donc le cancer sans coût, c'est 87 milliards de dinars dans le plan cancer élaboré par le professeur Zitouni. Oui, 187 milliards, c'est une somme extraordinaire. Ça prouve l'engagement de l'État pour essayer d'alléger les souffrances de ces malades. Nous sommes tous des malades potentiels. Il faut rappeler que c'est un chantier présidentiel, donc il a été placé en priorité de la santé. Le cancer, si vous voulez qu'on en parle, il faut savoir que quand même 90% des cas de cancer proviennent de l'environnement. Et donc c'est peut-être avant de passer au traitement, il faudrait peut-être commencer par la prévention. La prévention, il y a des efforts extraordinaires qui sont faits par le ministère de la Santé, mais qui, je juge, ne sont pas suffisants, parce qu'un ministère de la Santé seul ne peut pas faire de la prévention. Ailleurs, dans le monde d'ailleurs, on a créé, il n'y a pas très longtemps, une nouvelle science qui s'appelle l'épigénétique, qui, elle, décrit les mécanismes moléculaires ayant lieu au niveau du génome, c'est-à-dire la régulation de l'expression des gènes, c'est-à-dire ça rentre dans notre ADN et qu'on peut transmettre à notre génération future. Donc vous voyez que ça devient très compliqué. C'est le cas pour le cancer. Et cela provient, c'est valable pour tout, et puis ça provient, et 90% provient de l'environnement. Donc il faut agir au niveau de l'environnement, absolument. Donc la prévention, ce n'est pas seulement le ministère de la Santé, ce sont tout le monde, je ne parle pas, on ne va pas reparler de la cigarette, les pesticides, le téléphone portable, l'atmosphère, les gaz d'échappement, etc. Tout ce genre, l'alimentation, la sédentarité, les infections, les expositions professionnelles, le régime alimentaire, tout ça contribue à l'environnement. L'environnement, ce n'est pas seulement, c'est tout ce qui n'est pas à l'intérieur de nous-mêmes. Donc là, il faut agir, et tout ça, le ministère de la Santé ne peut pas agir sur tous ces secteurs. Donc c'est l'affaire de tous. Il faudrait que l'environnement, il y ait d'abord un module au niveau de la formation, puisque nous parlions en termes de la formation, aussi bien des médecins, des pharmaciens, enfin de tous les gens qui ont affaire à la santé, il faudrait déjà les sensibiliser. Il faudrait qu'on en parle, il faudrait que vous, les médias, vous en parliez plus, vous en parlez pas mal déjà, mais vous en parliez plus, il faut en parler de plus en plus. Et puis c'est pas par hasard, où dans le monde, vous voyez qu'il y a eu la COP21, tous les pays du monde se sont réunis, et l'Algérie adhère bien sûr à améliorer l'environnement. Donc il y a tout ce travail à faire. Et vous verrez que les 187 milliards de dinars peuvent aisément suffire. Sinon, sur le plan curatif, actuellement 20%
de la consommation des médicaments dans le monde, ce sont des produits issus de la biotechnologie. Et c'est cela qui coûte, dont on parlait tout à l'heure, c'est des produits qui coûtent très cher. Et donc là, c'est réservé, ça sera réservé à une classe dans le monde, surtout dans les moments de vaches maigres que nous risquons de connaître. Donc il faut absolument que nous agissions au niveau de la prévention, que nous rationalisions nos dépenses, qu'il n'y ait pas de prescription désordonnée. Et tout cela fait partie d'un ensemble. Alors, la question, c'est qu'y a-t-il des moyens de réduire son coût? Aujourd'hui, on l'estime à 87 milliards de dinars dans le plan Zitouni, mais ce chiffre risque de quintupler si on se réfère au nombre de malades aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas des chiffres exacts sur le nombre de malades. Certains les estiment à 55 000, d'autres parlent de peu plus de 70 000, et d'autres disent 90 000. Non, au niveau du plan cancer, maintenant, on sait combien il y a de malades. Combien sont-ils exactement? Non, combien il y a de nouveaux malades par an? C'est à peu près entre 45 et 50 000 malades, 50 000 cas par an. Bon, écoutez, il faut quand même qu'on croit. Maintenant qu'il y a un fichier qui se fait à travers les wilayas avec le fichier national, grâce justement au plan cancer, va être mis en place et définitivement il arrêté. Il n'est pas encore mis en... Non, mais il est maintenant. Non, c'est-à-dire, il n'est pas. Vous pouvez le fichier pas le... n'est pas encore non, mis non, en place. Non, il est fait. Et vous ne pouvez pas le consulter, vous, par Internet, mais ça va être fait. Donc là, c'est l'objectif d'ailleurs de la mise en place du comité de pilotage du plan cancer, c'est de mettre en place tous ces outils. Il y aura une évaluation prochaine. Il y aura une évaluation, il y a une évaluation tous les 6 mois. Qui est entrée en vigueur depuis un an. D'ailleurs, il y a un comité. Au niveau du plan cancer, au comité de pilotage, il y a le groupe de mise en place et puis le groupe du suivi et de l'évaluation. C'est clair, il y a déjà eu une évaluation. Donc le plan cancer est en train de se mettre en place. Donc il ne faut pas demander non plus à ce qu'il aille plus vite que la machine, c'est pas possible. Donc le travail se fait. Donc les malades, en un suivi, on sait combien il y a de malades. Maintenant, les malades, c'est pas exponentiel. Maintenant, on sait qu'ils augmentent de tant de pourcents par an. Et puis le plan n'a pas été fait, le budget n'a pas été débloqué d'une manière autoritaire. Et tout ça a été quand même étudié. On sait ça. Maintenant, si c'est nécessaire de rajouter, et certainement qu'il faudra rajouter, mais je pense, comme je vous le disais tout à l'heure, au lieu de rajouter de l'argent, peut-être il faudrait essayer de diminuer le nombre de malades et le nombre de cas de cancéreux en diminuant tous les facteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en allant vers la prévention, en absolument. Encourageant la prévention. Prévention, mais prévention, pour les maladies prévention. Non transmissibles également, il y a d'autres facteurs, il y a l'hypertension artérielle, il y a le diabète aujourd'hui qui augmente, nous avons pratiquement 3 millions d'Algériens atteints de diabète. Et là, d'après vous, l'alimentation, l'hygiène de vie ne doit pas intervenir. Les Algériens se shootent au sucre. Donc, je parle de la prévention. Pourquoi je ne parle pas que de la prévention pour le cancer, je parle de la prévention pour tout. Vous savez, l'alimentation, vous croyez qu'elle n'est pas importante, que tous les cas de diabète sont d'origine génétique? Mais non. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas adopter, par exemple, un décret ordonnant aux producteurs de réduire le taux de sucre dans les aliments aujourd'hui? Ils sont hyper sucrés. Là, je suis d'accord avec vous. Ça ne relève pas ni de ma compétence, ni encore moins de celle de la santé, mais effectivement, il faudrait aller dans ce sens. Il y a eu des dispositions qui ont été prises similaires aux États-Unis, en France, pour écoutez, réduire le taux de sucre. On est d'accord. Il faudrait c'est que ça se fasse. On est d'accord. Mais quand même, chaque citoyen doit prendre conscience qu'en abusant de sucre, de graisse, etc., il risque d'avoir de l'hypertension, et d'avoir un cholestérol élevé, et avoir du diabète. Déjà, pourquoi ne pas commencer, aussi, pourquoi ne pas commencer chez nous à balayer devant notre porte et essayer d'avoir une hygiène de vie alimentaire? Est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait un décret ou que non, il faudrait que les gens se prennent en charge. Mais ça encore, c'est les messages et c'est ça la prévention. C'est pour ça que à partir du moment où c'est commercialisé, on est tenté. Alors aujourd'hui, il y a l'Agence nationale d'exportation, on parle de structure d'exportation pour l'excédent en médicaments que nous risquerons d'avoir dans quelques années. Et on parle de l'Agence nationale du médicament. On est en train de démultiplier les agences et les appellations, mais est-ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire effectives, est-ce qu'elles sont efficaces? Voilà le mot que je cherchais. Voilà, efficace certainement. Bon, voilà, on va commencer par l'agence, par la future structure de l'exportation. Partout, les producteurs pour exporter ont besoin d'un soutien. Il se trouve où? Au niveau du ministère des Affaires étrangères, il faut que les gens qui sont dans les bureaux de nos consulats, etc., puissent faire leur travail et faire la promotion des produits algériens. C'est le but. Vous savez, la dernière fois, j'ai assisté à un meeting où il y avait le ministre des Affaires étrangères danois. Bon, c'est vrai que c'est un petit... Mais il est en même temps ministre du Commerce, en même temps ministre de l'Exportation. C'est pas par hasard, je ne veux pas dire que ce soit un exemple, ils ne sont pas nombreux. Mais il avait...
Mais c'était le ministre des Affaires étrangères qui s'occupait des exportations. Donc vous voyez à quel point les affaires étrangères sont importantes dans ce cas-là. Ensuite, vous avez le ministère des Transports qui doit jouer son rôle. Air Algérie doit se desservir la plupart des capitales africaines pour venir au Maroc. Il va dans tous les pays, il dessert tous les pays d'Afrique. C'est surtout pour vendre ses produits. Ensuite, il faut la même chose pour le maritime. Bon, j'ai lu que ça n'allait pas très bien, mais il faudrait peut-être développer. Il faudrait que nous puissions gérer nous-mêmes. Il faudrait donner des. Au niveau du fret, les prix sont très chers, surtout quand on doit passer, quand on doit livrer un pays d'Afrique où il n'y a pas de ligne directe. Il faut changer, etc. Il faudrait peut-être. Il faudrait peut-être qu'il y ait des frets à des prix préférentiels, parce que même subventionné, on subventionne un peu tout en Algérie. Je ne vois pas pourquoi on doit pas un peu subventionner l'exportation. Et puis la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie doit absolument mettre plus de souplesse dans le transfert, dans le cadre de l'exportation justifiée et sur le plan légal. Il doit y avoir plus de justesse. Parce qu'un exportateur a besoin de payer des gens sur place. Il a besoin de payer. Vous rendez compte que pour payer un appel d'offres de 100 euros, il faut faire toute une démarche. Vous me direz, une fois qu'il est exportateur, il a un compte exportateur. Mais pour commencer, il a besoin de cet argent pour commencer à travailler. Il a besoin de payer des imprimés, des prospectus, il a besoin de payer une force de vente. Tout ça, avant de commencer à vendre, il a besoin de tout ça. Donc la Banque d'Algérie a un rôle à jouer aussi important. Alors, mais est-ce que vous ne considérez pas qu'on n'arrive pas déjà à répondre à la demande nationale? Nous sommes à peu près à 40% de nos besoins, que déjà on pense à l'exportation. Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre la charrue avant les bœufs? D'abord, aucun pays ne produit toute sa consommation. Donc là, 70%, c'est le taux moyen à travers le monde. Les Américains importent, les Européens importent, donc personne ne produit 100% de sa consommation. Donc, et tous augmentent leur production. Il faut bien que cette production aille quelque part. Bien sûr, elle va vers l'exportation. Donc, surtout, comme je vous disais, on n'a pas réorienté et informé nos investisseurs. Regardez, par exemple, Landi, elle a un rôle important à jouer. Elle bloque des fois des secteurs qui sont saturés. Bon, j'ai appris que l'Idemonadri, on ne leur donne plus de soutien. Ben, pourquoi ne pas bloquer peut-être, pas bloquer, mais réorienter l'investissement de ces investisseurs dans des niches spécialisées qui rapporteront de l'argent à ces gens-là. Toujours en relation avec le médicament? Oh, bien sûr, je parle du médicament, bien sûr. Il faut qu'au niveau du médicament, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on oriente, on informe et on oriente l'investisseur dans son intérêt et l'intérêt du patient et l'intérêt de l'économie nationale. Alors, maintenant, pour l'Agence nationale du médicament, quel serait son rôle? On en parle depuis quelques temps. Bah, elle existe, elle n'existe pas? Elle a été créée ou pas encore? Écoutez, puisque par les textes, elle existe depuis 2008, Monsieur Farid Benhamdine. Oui, bon. Mais dans les faits, vous savez, on en parle, mais... Bon, vous savez que les textes étaient ce qu'ils étaient, c'est-à-dire très mal faits. Donc, elle n'a pas pu vivre parce que c'était un mort-né. Et puis, dès le départ, je pense qu'il y avait cette volonté du ministre de l'époque de ne pas la faire naître. Bon, maintenant, elle existe puisque la loi sanitaire a été revue. Elle passe au mois de mars, d'après ce que j'ai appris au Parlement, donc elle sera applicable. Mais déjà, et c'est la première fois, la semaine passée, je suis allé au niveau du siège de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Il y a une grande pancarte, il y a des locaux, et il y a des gens qui travaillent. Et je suis rentré, j'ai eu le privilège d'être le premier à visiter. C'est le professeur Mansouri qui me l'a fait visiter, puisque ça se trouve au niveau du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques. Donc, vous avez fait ce privilège peut-être de vous la faire visiter, parce qu'on parle de vous à la tête de cette structure, non, éventuellement, docteur Benhamdine. Non, je n'ai pas les capacités, les potentialités, ni l'envie. Il y a des gens plus compétents que moi, et je pense que la personne est déjà désignée. Alors, mais elle sera effective réellement aujourd'hui? Elle est déjà effective, elle commence à traiter les dossiers. Maintenant, à partir du mois de mars, ça sera écrit et elle commence à fonctionner. Et elle jouera son un grand rôle. Son rôle, c'est mettre de l'ordre aujourd'hui dans le secteur du médicament. C'est fédérer, entre importateurs, grossistes. C'est mutualiser d'abord toute la politique nationale du médicament, c'est-à-dire avec les différents intervenants, le ministère de l'Industrie, le ministère du Commerce, le ministère des Affaires, tous ces gens-là auront leur mot à dire au niveau de l'agence. Et l'agence est là pour réguler le marché, elle est là pour faire appliquer, et surtout qu'il y ait un contact permanent entre les autorités, donc les gens chargés de l'agence, et puis les investisseurs, les producteurs, les importateurs, etc. Tout le secteur de la pharmacie. Mais la situation de monopole est réprimée par la loi, mais certains détiennent, ils sont en situation de monopole. Comment faire aujourd'hui entre, c'est-à-dire les importateurs, entre les grossistes, entre les détaillants?
Certains parlent d'un lobby de quand même de 1 milliard 900 millions de dollars d'importation. C'est quand même pas rien. Hein. Écoutez, mais je crois qu'il y a des structures au niveau du ministère du Commerce, des structures au ministère de l'Industrie. Elles doivent faire leur travail. Je ne pense pas que ce soit le rôle du ministère de la Santé de s'occuper de ça, ni le rôle des pharmaciens et des médecins. Ça, c'est au niveau national que ça se règle. Le ministère du Commerce a tous les moyens de vérifier ce qui se passe et de casser des monopoles. Alors, avec ces perspectives aujourd'hui économiques pour le secteur du médicament, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi revoir certaines formations ou mettre en place certaines formations dans le domaine de la pharmacie? Il n'est pas nécessaire, il est indispensable et urgent de revoir le cursus des étudiants en pharmacie. Quelles sont les filières qu'on devrait avantager à l'avenir dans la formation des pharmaciens? Bah, écoutez, d'abord, le pharmacien ne fabrique plus sa pommade dans l'arrière-boutique avec un mortier, etc. Ça s'est terminé depuis longtemps partout dans le monde. Donc, certains le font quand même. Bon, très peu, mais enfin, je ne pense pas que ce soit la majorité. Ça doit représenter 0, quelque chose. Bon, les métiers de le pharmacien, les études qu'on doit, okay, c'est l'industrie pharmaceutique, on en a parlé. C'est les affaires réglementaires, c'est le marketing pharmaceutique, c'est la pharmacie hospitalière, c'est apprendre à déchiffrer et à discuter de la prescription. Le pharmacien doit être très bien formé pour pouvoir être en face des comités, ils appellent ça les réunions de consensus pluridisciplinaire, c'est-à-dire en face. Il faudrait qu'ils soient déjà présents au niveau de leur pharmacie. Souvent, ils délèguent à des jeunes vendeurs. Mais tout ça, c'est, il y a des lois. Je ne comprends pas pourquoi les lois ne sont pas appliquées. Là, tout existe, les textes existent, les gens doivent faire leur travail. Ceux qui ne le font pas, ben les gens en profitent. Mais aussi, parallèlement à ça, ce que nous constatons aujourd'hui à travers le territoire national, c'est que les pharmacies sont devenues de véritables supérettes. Mais ça, c'est partout dans le monde. Parce que tant que vous écrasez la marge, quand vous écrasez la marge du pharmacien pour que le produit ne soit pas cher, le pharmacien, c'est une société, c'est une petite société qui doit vivre, qui doit investir, qui doit payer son personnel. C'est normal qu'il trouve d'autres moyens, d'autres débouchés, d'autres secteurs pour faire du chiffre d'affaires. Et ça, c'est indispensable. Et ça existe là-bas. Alors, par contre, dans tous les pays du monde, pour la formation, si vous pouvez me dire un mot, il y a des formations, on appelle ça qualifiantes, pas diplômantes. C'est-à-dire il y a des écoles privées qui ouvrent un peu partout pour donner des qualifications. D'abord, il faut les encourager. Il faudrait que ce soit des qualifications elles-mêmes, qu'elles soient de qualité. Il faudrait qu'on sache quel est le contenu de cette formation, parce qu'on ne va pas refaire des études le cursus des étudiants en pharmacie en une semaine. Donc il faudra peut-être du temps pour qu'une réforme existe et qu'on change. Mais en attendant, après leur sixième année, les pharmaciens peuvent accéder à des formations qualifiantes. Il faudrait qu'elles soient validées par le ministère des Affaires de l'Enseignement supérieur ou par le ministère de la Formation professionnelle. Mais je pense que c'est plutôt dans ce cas, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur, qu'elles soient validées. Même et pour qu'elles soient validées, il faut qu'elles soient conformes à un cahier de charges. Docteur Fahed Ben Hamdine, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon week-end. À bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Merci.